n'a convoqué communauté protestante là dans grande assemblée générale et qui a fait demain 14 juin à Caribbean Convention Center. On a rappelé que la Fédération protestante d'Haïti a pris naissance le 1er mai 1986. C'est l'occasion pour nous tous, pour nous capables de célébrer le 36e anniversaire de l'organisation ça qui symbolisait eh bien, l'unité, qui symbolisait, on a dit, fraternité au niveau de cette communauté et qui a rendu un peu service à la communauté. Hein, lorsque nous connaissons que 42% de l'offre scolaire est offerte par le secteur protestant. Donc, nous va gagner une possibilité pour que nous recevions à Caribbean Convention Center et les représentants de ces différents écoles qui sont un peu partout à travers le pays pour nous discuter autour d'un thème qui est retenu à Nessa pour 37e Assemblée Générale. Eh bien, c'est renforçons l'unité protestante pour l'accomplissement de la mission de l'Église en Haïti. En effet, la mission de l'Église dans un contexte de crise, il est de taille et il est important pour nous capables de rassembler force nous, pour nous capables eh bien, répondre à défis que l'Église a appelé à relever et supporter société, hein, conduire société hein, pour capable de relever défis que nous avons rencontrés dans le contexte. Là. Comme guest speaker, comme invité, qui va prendre la parole pour développer le thème là, c'est le docteur Gérald Guiteau et qui a un doctorat en théologie et qui est ancien doyen séminaire théologie Église de Dieu et il va présent et pour capable développer thème ça. Nous avons une opportunité tout dans l'assemblée générale là by des documents qui va permettre que l'Église yo à travers pays hein, sensibiliser le monde autour du concept unité, le vivre ensemble, car nous, dans la société noire, son bagage qui manquait en pile, bien que dans le drapeau nous, l'union fait la force, bien que Créole l'a dit non, on seul doit pas manger qu'à la loup, mais manquer unité pour nous faire face à des défis, et c'est ça l'Église protestante de prêcher dans le contexte ça, pour nous capables unis autour de causes nobles. Et pasteur Bristol, qui s'est trésorier, a élaboré un peu sur pour qui ça nous choisit un thème comme ça. Effectivement, nous n'avons pas fait assemblée pour assemblée, un nouveau comité ça. L'année dernière, nous avons un thème qui c'était l'engagement du chrétien, l'engagement chrétien du citoyen haïtien. Et cette année, nous avons un autre thème, c'est renforcement et renforçons l'unité protestante pour l'accomplissement de la mission de l'Église en Haïti. Et nous réaliser à la nécessité pour nous traiter le thème unité parce que effectivement nous réaliser que le pays a besoin d'unité. Non seulement le pays a besoin d'unité, secteur protestant, communauté protestante plan nous besoin d'unité. Il y a des proverbes que nous habitués avec eux, on seul doit pas manger kalalou et devise nous l'union fait la force. Mais dans la réalité, nous réaliser bagage ça ou pas respecter vraiment. Et c'est ça qui bat un pile problème avec société noire actuellement. Donc, effectivement, il y a une nécessité pour le peuple à unir. Il y a une nécessité pour les protestants à unir. C'est peut-être ça, dans l'invitation, dans la 37e Assemblée Générale, ça, nous invitons tout le monde dans la communauté protestante, toute organisation, toute ligue pasteur, et qui dans le secteur a pour nous rejoindre nous pour nous gagner une belle fête à Nessa. Et non seulement ça, nous gagnons un pile bagaille que nous pouvons traiter qui est capable d'aller dans le sens pour nous joindre unité. Parce qu'ils ont même parlé de livret de prédication, nous pas seulement dans ce thème là, mais nous gagnons des documentations que l'Église est capable de suivre mois par mois, jour par jour pour nous capable de joindre résultat dans la question unité. Le nous gain unité en tant que peuple, le nous gain unité en tant que communauté protestante, c'est sûr et certain qu'on a besoin de meilleurs résultats. Situation pays n'a pas arrêté Jean lié là. Situation communauté protestante là pas arrêté Jean lié là. Si nous même en tant que protestants nous pas unis, est-ce que nous demandons société haïtienne pour l'unir? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la saisonnera-t-on? Donc si nous même nous disons nous sommes chrétiens, nous avons une division dans la mi-temps. Est-ce que nous avons demandé l'autre monde pour nous unir?
Donc nous voulons lancer bagay là, nous voulons bailler exemple, nous voulons tracer ligne là pour nous capable rejoindre unité ça. Et nous avons quelques bagages qui capable permettre que nous joignent unité. Par exemple, nous gagnons humilité, c'est des attitudes que nous capable gagner ou bien un secteur, un groupe nous capable gagner pour rejoindre unité. Nous gagnons esprit de solidarité. Nous gagnons de mauvais comportement dans la question gestion du pouvoir que nous besoin rejeter. Nous gagnons capacité pour nous gérer différents yo. Et bien ça yo capable permettre nous joindre unité. Refus d'accepter l'autorité. Tout le monde besoin chef. Tout le monde c'est chef. Donc, il y a des principes, des valeurs pour nous kembe, pour nous joindre unité. Et l'on gagne unité, ça gagne des privilèges. N'a pas gagné de meilleurs résultats. Situation pays, de pauvreté, de misère, de d'insécurité, son manque d'unité. Pays a fragilé. Plusieurs groupes monde, ça cap chercher autorité par politique, dans le niveau politique, c'est avec ZAM, c'est avec pouvoir. Donc, nous avons besoin de nécessité pour nous joindre unité. D'où l'importance du thème de cette année pour nous joindre unité.